Oui. Moi, j'ai une question par rapport à un passage dans Luc 19. Si tu peux nous éclairer, c'est au verset 44. Quand Jésus dit en fait, parce que ils te raseront, il pleure en fait sur Jérusalem, et dans le verset dit, ils te raseront toi et tes enfants qui sont au milieu de toi, et ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Alors que juste avant, tout le monde était en train de louer le Seigneur en fait. Mais lui, 2 secondes après, il dit, vous n'avez pas connu le temps de la visitation. Et c'est sur cette partie-là, en fait, je voudrais que tu nous éclaires. Comment on peut honorer Dieu, lui faire un grand, dire Hosanna, Hosanna, et le Seigneur, lui, il dit aux gens, vous n'avez pas connu le temps de la visitation, en fait. Oui. Ça veut dire ce qu'il faisait, c'était du flan. Il y en a, ils étaient comme certains pharisiens hypocrites. Ils étaient mystiques. Ils étaient littéralement des progénitures de Satan. Ils servaient le diable. Ils avaient pour père le diable, le Seigneur l'a dit. D'autres, ils étaient ignorants. Ils pensaient bien faire comme Paul. Il était dans l'ignorance quand il persécutait les chrétiens. Il croyait bien faire. Il croyait servir le Seigneur. C'est pour cela qu'il faut toujours être dans l'équilibre. Donc, ils n'ont pas connu le temps de la visitation parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le Messie vienne comme ça. Tu vois? Voilà. Donc, et malheureusement, c'est pas seulement, ce passage ne concerne pas seulement les gens de l'époque. Même aujourd'hui, quand le Seigneur envoie ses enfants avec un message clair, souvent ceux qui le persécutent, ce sont les chrétiens. Voilà. Qui sont ceux qui nous font la guerre, là? Ce ne sont pas les païens, hein. Les inconvertis, même quand le Seigneur nous donne à faire quelque chose, pas tout le temps, mais en général, ils vont nous dire, c'est bien ça ce que vous faites. Ce sont des chrétiens même qui vont commencer à nous traiter de tous les noms, qui vont commencer à voir des insignes mystiques là où il n'y a pas. Tu vois? Parce que y a le zèle sans. Ils ont du zèle, mais sans connaissance. Et ça tue. Ça tue. Les Écritures, tout le monde peut avoir par cœur les versets bibliques. Mais ça, c'est une connaissance générale. On sait se trouve Matthieu 10, on sait ce qui se dit là-bas, mais la compréhension de cette parole-là, ça, c'est Dieu qui la donne. Donc c'est pour cela que les pires des persécuteurs de chrétiens, ce sont des chrétiens eux-mêmes. Voilà.